Bonjour et bienvenue, on est de retour pour notre survie du week-end. Il y a une tempête, donc ça s'annonce bien. Donc on est de retour pour notre survie du week-end, je vais expliquer en gros ce qui va se passer. On est presque la nuit, on doit se reposer, tout ça. On a de la nourriture à l'extérieur, donc ça va, on a de l'eau aussi. Pas énormément d'eau par contre, pas énormément d'eau. On va prendre ça. Ça, on va le laisser. J'aurais pas dû le toucher. Ouais, on va rester comme ça. Alors, ce qui va se passer, c'est que je me suis renseigné et on m'a répondu aussi par rapport à est-ce qu'il y aurait une batterie de voiture en fait ici? Alors, étrangement, la réponse était plutôt t'es dans la merde, gros. En gros, c'est ça. Entre ce que les gens m'ont dit et ce que j'ai vu sur les forums, j'ai même. Je commence à débattre avec moi-même en me demandant si c'est vraiment du RNG. Alors, j'ai vu des forums qui disent exactement la même chose. C'est que ils avaient des batteries, alors plus ou moins partout. Je crois même à Milton. Milton, j'en suis pas encore sûr, certes, mais bon, on verra. Ils avaient des batteries où je les ai trouvées moi quand j'ai fait les deux premières tours. Mais ils n'ont pas trouvé de batterie donc à la Vallée Charmante. Et à ma connaissance, personne a trouvé de batterie à la Vallée Charmante en intrus. Voilà. À ma connaissance, personne n'en a trouvé. Alors après, beaucoup de gens ont fait le tour des voitures et tout ça et n'ont rien trouvé non plus. Donc honnêtement, vu que nous, on a fait plus ou moins les gros. Alors, il reste des voitures à fouiller, je suis d'accord. Il reste vraiment des voitures à fouiller. Il y en a quelques-unes qu'on n'a pas faites, ça c'est sûr et certain. Mais je pense qu'on a fait le plus gros, c'est-à-dire qu'on a fait, bon, on a vu qu'il n'y avait pas de batterie ici. On a fait les voitures un peu sur ce chemin-là. Je sais qu'on a fait, je crois qu'on a fait le carambolage aussi, qui est devant, vous savez, pour le lieu pour monter au mont Timberwolf. Je pense qu'on l'a fait, je crois bien. Je me rappelle plus ou moins vaguement avoir fouillé les voitures. Donc je pense pas qu'il y avait de batterie. Donc ouais. Et après, je suis allé revoir mes anciens épisodes pour être sûr. Donc ouais, on a bien une batterie à la voie ferrée détruite. Donc on n'a pas. On peut continuer. Techniquement, on doit aller à la voie ferrée détruite, récupérer la batterie et se la trimballer jusqu'à la Vallée Charmante, en fait, tout simplement. En gros, c'est ce qu'on doit faire. Ça va être une catastrophe, honnêtement, ça va être très très embêtant hein, de se balader avec autant de poids et faire 3 ou 4 régions comme ça. Hein. Ça va être une catastrophe, hein. Mais bon, on peut le faire. Donc ça va. Après, je vais être honnête, pour être franc sur comment ça se passe et tout. On peut se dire, oui, ça fait une aventure et tout, de devoir trouver une batterie en fait, c'est le but en fait, c'est ça l'aventure. Et ça, je suis d'accord avec ça. Le problème avec ça, c'est que les batteries à la base, ça servait strictement à rien pour nous. Et le problème, c'est que maintenant, c'est utile. Voilà. Et maintenant, c'est utile. Donc, en théorie, si on avait trouvé toutes les batteries qui existent dans notre monde et qu'on les détruise en fait, par exemple, pour faire du plomb, on pourrait tout simplement pas faire la tour. On pourrait tout simplement pas faire la tour. On pourrait pas la finir parce qu'ils n'ont pas rajouté de batteries. Donc du coup, on n'a pas de batterie. Vous voyez, on peut les détruire, quoi, les batteries. Donc ça sera un très très gros problème. Et c'est pour ça que, personnellement, moi, ça m'embête, ce système-là, que maintenant les batteries deviennent utiles pour nous, en fait. C'est pour ça que ça me frustre, en fait. La dernière fois, j'étais assez frustré par rapport à ça. Ah, donc c'est ça qui me gêne énormément. Mais bon, comme j'ai dit, on n'est pas encore au moment où on va utiliser la commande pour se faire apparaître une batterie parce que honnêtement on est limite à ça. On n'en est pas encore là. Proche, mais on n'en est pas encore là parce qu'on a encore une batterie qui est disponible. Donc on va pouvoir faire ça. On va pouvoir aller en récupérer une au pire. On va dormir. On va peut-être sortir pendant la nuit. Aussi on peut faire un arc, donc c'est pas trop trop grave, ça c'est bien. Sont en pleine forme. Donc ouais, la dernière fois j'étais un peu frustré, je me suis dit putain, il va falloir que je me fasse apparaître une batterie et tout ça, il va falloir que je triche parce que c'est con pas rajouter de batterie. Mais bon, pour le moment, on n'en est pas encore là. Ça va, ça va, ça va.
Ah, mais ouais, la seule chose qui me frustre énormément de ce qui se passe là, c'est le fait que bah, les batteries pour nous, c'était pas utile. On aurait pu limite les détruire, même si c'était pas utile. On aurait pu faire ça et là, on aurait pu vraiment se bloquer en fait. Ce soft lock en fait, comme on peut dire. Donc ça, c'est un problème, ça. C'est vraiment ça le problème que j'ai avec ce jeu en ce moment. On va fabriquer des choses. Je sais pas trop quoi faire. Parce que si on va pour crafter un arc, il va faire nuit de toute façon. Après, on peut se déplacer là-bas. Un peu. Parce que oui, je voudrais faire un arc parce que le nôtre est bientôt cassé en fait, tout simplement. Le nôtre est bientôt cassé. Ouais, je crois que je vais devoir utiliser notre lampe parce que je vois strictement rien. Avec de la chance, il fait pas trop froid. Donc voilà, je vous ai tout dit. D'où ma frustration la dernière fois. Maintenant ça va mieux. Ouf, oula non. Oula, non, 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 on voit rien du tout. Non, non, on voit strictement rien. Le lit est là. On voit strictement rien, on va pas sortir. On a préparé tout ça. On est à quoi? Fais voir un peu. Non, ça. Ça va. On peut encore passer un peu de temps. Ok, fais voir un peu. On va dormir 3 heures. Même si 3 heures c'est trop, je pense qu'on sera. Ouais, voilà. On est en pleine forme. On a encore un peu le temps. Donc là, ce qu'on va faire, on va un peu bifurquer aux alentours de cet endroit ici parce que. Je crois qu'on a une ou deux voitures à voir de ce côté. Et puis après, on va voir en fait ce qu'on fait. Mais ouais. Mais je crois qu'on va bifurquer en fait vers le centre pour aller crafter donc notre arc. Je pense qu'on va faire ça. C'est le plus important pour le moment. Allez. Dis-moi qu'il fait pas trop froid. On a du vent. Ok. On va aller voir ici si jamais on avait des batteries. Je suis bloqué. Du feu ici. J'aime bien aussi, plus je parle de l'aéroport, j'ai vu des gens qui disent oh c'est pas si mal et tout ça. Et après plus tard, une fois qu'ils ont joué eux-mêmes en fait à la région de l'aéroport, les gens ils étaient plus là à dire ah ouais non mais en fait c'est vachement chiant hein, de vivre là-bas. Hein. Genre comment je fais ma base, où est-ce que je vais, comment je fais un feu, bah ouais bah bonne chance. Hein. J'avais dit que c'était embêtant cet endroit. Ça m'a fait un peu rire à chaque fois. Crois qu'on n'a rien laissé. Prendre ça. Je vais voir si je peux pas un peu peut-être réduire un peu ce qu'on a dans l'inventaire. Enfin, j'en sais rien en fait. Je trouve qu'on est un peu lourd en fait. Par contre, ça va être un problème parce que la vallée charmante, il fait froid. Hein.
Honnêtement, on va pas passer un très très bon moment. Hein. La vallée charmante, il fait méga froid tout le temps. Donc c'est une catastrophe. Hein. On a 3 kilos de bois, mais ça on va le garder parce que, comme j'ai dit, il fait froid. Donc on va peut-être en avoir besoin. On a de l'électrique. On aurait dû peut-être laisser tout ça à l'antenne radio parce qu'on va sûrement repartir par l'antenne radio en fait. Par la grotte. Non, il n'y a pas grand-chose à virer en fait. Ouais, il faudrait à la limite revenir à l'antenne radio et virer l'électrique, mais encore une fois, il n'y a pas énorme. Attendez, avant de sortir, on va encore attendre un tout petit peu. 15 minutes, ça devrait nous réchauffer. J'aime pas le fait que ça soit méga sombre ici. Vous avez vu le temps qu'il faut attendre pour qu'on puisse voir quelque chose? C'est vraiment une catastrophe, ça. Ok, go. Alors, c'est parti. Alors, faut faire gaffe qu'on avait vu un ours là-bas, je crois. C'est là-bas qu'on avait tué l'ours, je crois bien. Alors, là, on a un pont. Normalement, on a des voitures de l'autre côté. Après, si on continue la route, on devrait avoir une autre voiture. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va vérifier ça. Bah, tiens, quand on parle de l'ours. Elles sont où les voitures? Une là, il y en a une là-bas qui est à côté de l'ours, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Oh là là. Ah, il m'a vu. Ah. Attends, attends, tiens, on va tester. Vas-y, casse-toi. Oh merde. Attends, il revient, il m'attaque ou il a peur? Non, il gogolise. Est-ce qu'il saigne? Non. Ouais, il n'y a rien. Est-ce qu'on avait fouillé là? On va voir. Non, il saigne même pas. Parce que je me suis dit, peut-être que si on peut le faire saigner, vu que nous on a vraiment un très très haut niveau, je me suis dit, ah, peut-être que y a une chance de le tuer en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, non, pas du tout. Bon, par contre, j'avoue que être dans la maison alors qu'il y a un loup, un ours à l'extérieur, c'est pas vraiment une bonne chose. Je vais voir la flèche cassée. Recycler ça. Ah, c'est bon, ça va, il est loin. Il est loin. Bah voilà, ça valait le coup de tester, hein. Ça valait le coup de tester. Donc on peut vraiment pas faire mal en fait aux animaux avec ces flèches-là. Sauf si c'est un lapin, quoi. Ah, qu'est-ce qu'elle a la musique? Pourquoi elle s'excite là? On va essayer de se cacher du vent. Ouais, c'est bon. Donc ouais, il y a très très. Mais alors extrêmement peu de chance en fait. Et comme j'ai dit, j'ai pas l'impression que ça soit RNG. Du coup, j'ai l'impression que c'est du faux RNG. Où au final les choses apparaissent plus ou moins au même endroit. Ou alors les pourcentages sont extrêmement petits et du coup tout le monde se retrouve avec la même chose. Mais du coup, j'ai envie de dire, bah, c'est pas vraiment du RNG alors. Enfin bref. Pour les batteries, hein, pour l'apparition des batteries et tout ça. Donc ouais, ça m'embête un peu. Alors, là on est sur la route. Ça sert à rien de me protéger du froid, du vent. Autant rester sur la route, on court plus vite, marche plus vite.
Donc là, on est toujours sur la route. Normalement, on devrait pouvoir trouver une voiture. Il y a un lapin là-bas. No trespassing, mining road. Est-ce que c'est là? Je me rappelle plus. Non, ça c'est pour aller à la mine. Oh, je me rappelle plus où ça va. C'est pas la mine qui va sur l'autoroute côtière. Peut-être. Peut-être celle-là. Ah, voilà. Et là-bas, c'est un cul-de-sac, en fait. Au fond, c'est un cul-de-sac. Alors, je sais pas si on est déjà venu ici. Ouais, bah, la question, est... la réponse est oui. Donc, on a sûrement dû faire le cul-de-sac aussi. Je sais qu'on a froid. Alors normalement, je... Parce que Vallée Charmange quand même, je connais bien. Je sais plus ou moins où sont les voitures. Je crois qu'il y a une grotte par là. On va voir si elle est... Ça, là c'est pure connaissance. Là, il n'y a plus... Là, c'est plus de l'aventure. C'est juste aller aux endroits qu'on connaît. Hein. Parce que sinon... Si on y va aléatoirement, dans 2 ans, on y est encore... Alors... Ah, je crois que c'est là-bas. Vous voyez le rocher qui est super sombre, là, comparé au reste? Je crois que c'est ça. On peut peut-être se protéger... Oui, c'est là, c'est là, c'est là. Ça va, ils sont... C'est un peu comme... vous prenez des vieux jeux, et pour éviter les pièges, vous regardez le changement de couleur, de texture. Bon, en gros, ça vous donne... Ça vous donne où est le piège. Là, c'est pareil. Ah, on voit rien du tout. Faut que je me lève sur ma chaise parce pour que je vois quelque chose. C'est horrible. Ok, très bien. Cabane délabrée, grotte. Donc ouais. Alors, Timberwolf, c'est là-haut. Alors, on peut continuer comme ça, plus ou moins la route, et aller au carambolage. Mais encore une fois, je crois bien qu'on l'a regardé déjà, le carambolage. Donc, ça m'étonnerait qu'on trouve quelque chose. Mais on peut. Je vais être franc, cet épisode, ça va sûrement être... genre, dans la Vallée Charmante, on se balade... On se balade, on essaye de trouver une batterie qui se serait échappée du recoin, je sais pas d'où. Mais le prochain épisode, je vais sûrement genre rentrer en fait. Entre les deux épisodes, je vais devoir faire quelque chose parce qu'on va pas se balader. On va pas tourner en rond à la Vallée Charmante comme ça. Hein. Parce que déjà pour moi, ça va pas être drôle, mais pour vous, c'est pas vraiment intéressant. Donc c'est possible que je rentre au lac mystère et on continuera l'épisode prochain, ça sera lac mystère, on va récupérer la batterie et on revient ici. Ça nous fera une aventure de porter la batterie par exemple, de récupérer la batterie. Ça oui, ça peut à la limite faire une aventure. Parce que c'est quand même 15 kilos et tout, ça va pas être facile. Ça oui. Mais sinon... Sinon la tournée en rond, c'est pas vraiment mon kiff.
Après, la vallée charmante, quand il fait bon, il y a pas mal de ressources à récupérer. Oups. J'ai appuyé sur la mousse. Il y a pas mal de choses. Alors, je crois qu'il faudrait que je me remette sur... Enfin, attendez. Je crois qu'il y a un pont, en fait. Faut aller au pont. Après, je peux me repérer facilement. Parce que, vous voyez, tous ces bois, là, normalement, ils peuvent nous donner des écorces, voilà. Des écorces de bouleau. Et il y en a beaucoup, ici. Attendez, il y a un cadavre là-bas. Ouais, des écorces de bouleau, en théorie, hein, je pense. Donc, il y a du potentiel. On devrait faire un feu, peut-être, pour nous réchauffer et boire quelque chose de chaud. Ben voilà. On pourrait faire ça. Par contre, faut faire attention, comme j'ai dit toujours, hein, quand vous avez énormément d'arbres comme ça, les très proches, ça peut cacher énormément d'animaux, hein, donc faites gaffe à ça. T'as pas une batterie, toi? Oh putain. Ouh, c'est pas un ours, ça. Ça, c'est un élan. Oh, ça, c'est un élan, ça. Je crois qu'il n'y a pas de grotte ici. Alors maintenant, pour le trouver entre les arbres... L'élan. Ça, c'est un cerf. Ou alors, c'est le cerf que j'ai entendu. Peut-être. Oui, parce qu'il n'y a pas de... Les arbres sont pas abîmés, en fait. Ouais. Bon, on va devoir faire un feu. On va peut-être tuer ça, comme ça on se fait de la à manger en même temps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus... Oh putain, fais chier. J'allais dire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus gros qui est en train de rôder, en fait, dans le périmètre. Bah ouais. C'est bien ça. C'est bien ça. Là, on a récupéré pas mal de boulot. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en préparer quelques-uns et on va en boire pour récupérer la vie qu'on perd, là. Ok, pont. Ah, attendez, je crois qu'il y a une maison pas loin. C'est la maison où on s'était arrêté pour... Pour aller au mont Timberwolf. C'est pas exactement là où je voulais aller, hein, théoriquement. Mais... Enfin, après, techniquement, on n'a pas besoin d'y aller, je vais être franc.
Mais bon, maintenant on est parti. Après, il y a les caches aussi à faire. Alors, je vais être franc, je suis jamais parti à la recherche de cache en fait, en un truc. Jamais, jamais. Je crois qu'il y a plusieurs emplacements pour où elles peuvent apparaître. Et je crois qu'en intrus, il n'y en a qu'une seule par zone. Et encore. Et la plupart du temps, elles sont vides. Donc, je vais être franc, je suis jamais allé à la recherche de cache. Mais on pourrait théoriquement faire ça. Je sais pas exactement où elles sont. Enfin, je crois que j'ai une idée. Je sais plus ou moins de quel côté. Je crois que c'est l'ouest et le sud, je crois. Quand on regarde la carte, notre carte. Faut que je vérifie. Alors normalement on a une maison pas loin. Ok, là on a les cordes. Ah, on court, hein. Ah, elle est là la maison. Lapin. Ok. Alors. Alors, en théorie, donc nous, on est... J'avais même pas dessiné cet endroit. On doit être là, en fait. On doit être là. Et je crois qu'il y a des... Il peut avoir des caches secrètes, genre par là. Et je crois par là. Je crois. Genre c'est plus à l'ouest et le sud, genre comme ça en fait, je crois. Un truc comme ça. Je crois. Pour les caches secrètes. Mais bon, encore une fois... C'est pas vraiment le point le plus... La chose... Il y a très peu de chance qu'on ait quelque chose. Je vais être franc. Il y a très très peu de chance. On est à 49 en poids. On est très très lourd. On a beaucoup de bois. On pourrait dormir un peu pour qu'on se réchauffe. Il n'y a pas eu de mise à jour depuis, donc je peux pas vraiment transformer ça en café. Parce que sinon, ils vont sûrement utiliser un qui a 400. En fait, il faudrait que je les mange tous, en gros. Et si je les dépose, ils vont encore une fois passer à 300. Donc j'ai pas vraiment envie de perdre des calories non plus. Oh là 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 là, ça casse. Ah, c'est embêtant, hein, ce système, hein, c'est embêtant. Ça c'est quoi, 2h et quelques, non? Non, 1h30. Je pourrais faire... parce qu'en fait on est fatigué, ça le problème. Vas-y, on va tenter. J'espère qu'il va encore faire jour pour qu'on puisse faire du feu. Et voilà, maintenant on peut plus. Évidemment. On va dormir un peu plus. Il va falloir qu'on récupère de la vie. Là c'est pas en dormant comme ça, 2 heures, 2 heures qu'on va récupérer de la vie. C'est vraiment une mauvaise idée de faire ça. Ah ouais, ah ouais. Ouais, j'aurais dû continuer en fait. On va aller récupérer les champignons que j'ai vus.
Ah tiens, on pourrait se faire les lapins aussi. On n'a rien vu, tout va bien. T'as un truc qui marche, ça doit être le deuxième lapin, mais je le vois pas. On peut à la limite rester à dormir ici. Ah, vous voyez le problème, c'est qu'on a fait, on a passé 30 minutes déjà de l'épisode, on est déjà à mi-temps. Et on a strictement rien fait. On a strictement rien fait. C'est pour ça que j'aime pas la Vallée Charmante. C'est tellement une perte de temps pour moi pour faire les épisodes. C'est une perte de temps cette zone. Très très embêtant. Aïe aïe aïe. On a encore de l'eau, on n'a plus à manger par contre. On a encore bien sûr ça. Alors on peut faire déjà 15 minutes. On peut... Je pense qu'on va... n'est pas énormément fatigué, mais je pense qu'on va faire ça. Histoire de se fatiguer, de dormir une grande partie de la nuit et potentiellement de... de repartir le lendemain. On a beaucoup de bois encore une fois. J'avoue que c'est un peu trop. Fais voir un peu la qualité de notre 19%. On a un peu de bois. On va peut-être déposer le bois à l'extérieur. Comme ça, ça nous... je sais plus où c'est. Quitter la cabane. Le bois à l'extérieur, comme ça, ça nous fait une vue. Genre si on passe à côté, enfin si on repasse à côté, on peut voir qu'il y a du bois là devant. On est à combien? 45. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je vais voir un peu. Ah, on peut... il fait pas très froid. On peut en théorie partir. Parce qu'on n'est pas super... non, on n'est pas super fatigué. Par contre, on a de la nourriture sur nous, de la barbac. Ça, ça m'embête un peu. Mais pourquoi pas. Ouais, s'il fait pas froid, allez, on peut y aller. S'il fait pas vraiment froid. Hein. Alors du coup, est-ce qu'on va vraiment au carambolage là? On peut faire carambolage, on peut faire le bunker qui est près du Mont Timberwolf. On peut faire le bunker qui est près du Mont Timberwolf pour être sûr de rien avoir mis. Alors le problème c'est qu'il y a du... on va sûrement rencontrer du loup.
ça m'embête. Surtout qu'on n'a pas de... On n'a pas de visibilité, vraiment, pendant la nuit. Ah, vous voyez, il fait pas très froid, donc autant en profiter. Après, je crois qu'il y a une grotte pas loin. Quand on monte, il y a une grotte, normalement. Donc on peut, à la limite, faire cuire la viande et faire... Il y avait un mec, là. Ah oui, un mec qui flotte. Ouais, d'accord, c'est vrai. Un mec qui flotte. On peut faire cuire notre viande et faire du thé, peut-être. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Je crois que la grotte, elle est après ça. C'est un grand détour hein, pour aller voir le carambolage. Honnêtement, c'est un grand détour. Hein. Au final, mais bon. Pas comme si on avait trop le choix. Ah toi, est-ce qu'on a de la viande ou pas? Je sais pas si on l'avait pris. S'il y a encore la carcasse, c'est possible qu'on ait rien pris. Ok, très bien. Ok, nickel. Hop. Je me rappelle plus, est-ce qu'on a du 100% pour le feu? Ah, attends. Et oui, il faut mettre le feu à l'extérieur. Voilà, là. Ouais, on est à 100%. Ok. On n'a plus besoin de faire le système de torche. Parce qu'on est au max. J'avais oublié ça. Ok. Oh putain, ok. Il s'est cuit super vite et du coup je l'ai directement consommé en fait. Ok, 19 minutes. Quoi que c'était pas cru, hein. On va manger ça. Est-ce qu'on peut faire de l'eau et dormir une heure? Je me rappelle plus si on peut faire ça. Je crois pas, hein. Ok, très bien. Je voudrais me reposer, en fait. Je voudrais bien me reposer une ou deux heures, et après on part. Là, on a le feu à l'extérieur, donc en théorie, il va durer longtemps. Vous savez, hein, le coup du froid qui rallonge la durée du feu. Nous, on n'a qu'à aussi dormir, on n'a qu'à dormir aussi à l'extérieur. Comme ça, on n'aura pas le mal de l'enfermement si on est là, je crois.
Qu'est-ce qu'on a à faire aussi? Non, on peut juste dormir. Ouais, on peut dormir. Alors, on va mettre... Bah, on a qu'à mettre tout notre bois, honnêtement. 3 heures. Ouais, go. 2h, 4 heures. Normalement, le feu devrait être encore debout. Ouais, voilà, ouais, très bien. Voilà, on a récupéré un peu de... un peu de vie, c'est très bien. Est-ce qu'il y a du bois un peu aux alentours, là? On voit rien, par contre, maintenant. On voit strictement rien. Là, je déteste quand il y a de la neige super épaisse comme ça. Moi qui vois déjà pas grand chose là, alors j'imagine que pour vous doit être pire. Ok, 3 bâtons. Ah, 5. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. On va pouvoir dormir au moins 2 heures de plus. Ça fait combien, 5 bâtons? Genre... Ouais, ça fait plus de 10 minutes à chaque fois. Ça fait 12 minutes techniquement. Donc c'est vrai que c'est quand même bien. Attends, 2 heures, ok. Nickel. Là, on va faire cuire, enfin faire bouillir nos boissons. On va... Oh non, il y a une tempête. Oh la vache. Une horreur cet endroit. Une horreur. Passe du temps. Là, si le feu s'éteint, c'est embêtant parce que du coup, on va pas pouvoir faire ce qu'on voulait en fait. Techniquement, il faudrait qu'on retrouve encore du bois, mais je crois que j'ai tout pris ce qu'il y avait autour. Il y a des branches. Ça, des branches, il y en a. Faire attention de pas se perdre. Ah, on a déjà froid, hein, la vache. Ah, c'est bien catastrophique, là. Là, si le temps s'améliore pas, ça va être un peu embêtant.
peux être franc. On va se mettre là, on a plus chaud. Après, c'est pas très grave. On n'est pas en danger, hein. Là, il fait extrêmement froid, par contre, hein, quand on regarde. Là, il doit faire... oups. Il doit faire extrêmement froid. On est à peine à 7 degrés en intérieur de grotte. Moins 20. Là, ça doit être à moins 50, en fait, à l'extérieur. J'ai plus rien à faire. Alors... Là, il faut vraiment que la tempête s'arrête parce que sinon... Bon, on est bon. On peut repartir, mais on n'a pas notre bonus de chaud en fait. À 10, ça fait un peu beaucoup quand même. Est-ce que j'avais dessiné ici ou pas? Je crois pas. Hein. Ouais. Ça dessine super mal quand on est dans une grotte quand même. Alors, on a encore du vent et tout, ça doit, il doit faire encore très très froid. Alors on va passer par là. On avait tout, absolument tout fouillé, hein, ouais, je crois pas qu'il nous manque quelque chose ici. Ok, on va donc pas aller à droite. Parce qu'à droite c'est pour aller dans une maison là, je me rappelle. C'est pas important, nous on veut monter sur la gauche. Faire attention, il y a potentiellement des loups. Ok. Le temps s'est un peu amélioré, ça va. Ouais, là-bas, il y a une maison, il y a un sous-sol. Et des loups, la plupart du temps. Alors, notre carambolage, il est pas très loin. Donc on va aller refouiller ça. Parce qu'en plus, c'est embêtant, parce que si c'est des batteries qu'on a vues... Honnêtement, bon déjà, moi, j'ai une très mauvaise mémoire. Mais si c'est des batteries qu'on a vues en plein milieu de nulle part... Genre... 99,9% qu'on les a laissés en plein milieu de nulle part. Genre les batteries, on les a pas pris avec nous, on les a pas mis dans un
dans un lieu à l'abri. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut, genre, techniquement aller vérifier les voitures, quoi. Mais bon, là j'avoue que j'y vais sans espoir d'en trouver. Hein. Là, c'est vraiment pour qu'on fasse notre épisode et puis après je vais aviser. Donc voilà, il est là. Donc. Il n'y a rien. Et là, il n'y a rien non plus. Ah ouais. Ça m'aurait étonné aussi, hein. Ça m'aurait étonné. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va monter. Faire attention, il y a peut-être toujours des loups. On va monter, aller au... J'ai pris mon sac de couchage. Ouais, ça va. On va aller au sous-sol, au bunker là, qui est devant nous, juste avant le Mont Timberwolf. Ça va nous permettre de nous réchauffer déjà. Non, il y a beaucoup de cerfs ici. Ça m'étonnerait qu'il y ait des loups qui se baladent. C'est une bonne chose, ça. Là, on avait laissé un faitout. Suis en train de me demander si on devrait pas avoir un faitout sur nous à chaque fois. Mais bon, comme j'ai dit, c'est 1 kilo le faitout. Alors que c'est quoi? 0,25 dans 0,15. Oh la vache, on voit plus rien. Ah oui, oui, l'intérieur a été refait. Ah oui, c'est vrai que je l'avais dit en plus dans dans une vidéo où l'intérieur avait été tout refait apparemment, des caches. Alors fais voir, apparemment il y a des nouvelles choses aussi. Ouais, ça... Ah et d'accord, ouais, c'est en plus c'est le bordel du coup. Ouais, avant il y avait un lit là qui était en... Waouh, mais c'est trop bizarre parce que du coup il y a... Mais du coup, c'est comme si ça avait été complètement reset. Mais ça c'est des choses qu'on avait trouvées nous. On est d'accord. Ben. Ouais, c'est bizarre. Ok, bon, bah on fouille. Bon, bah, j'avoue que là, oui, c'est une bonne chose qu'on soit venu. Mais bon, faut trouver quelque chose d'intéressant aussi. Honnêtement, s'il y a des racines comme ça qui sortent, vous imaginez les années que ça prend pour que ça fasse ça? C'est des briques. Genre, les racines qui passent à travers les briques comme ça. Tiens, on peut faire notre arc ici. Bon, pour l'instant, on n'a strictement rien, c'est cool. Ils ont laissé un lit du coup, comme avant. Bon, bah du coup, y a strictement rien d'intéressant. Là, tu m'aurais mis une batterie en fait dans le truc. Je me dis, ah, ça va. Mais ouais. Là, il n'y en a pas. Charpalène. Bon, bah c'est mort. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur? Non. Ok. Alors attends. Nous, on n'a pas besoin de l'écharpe, on s'en fout, hein, d'accord. Nous, on a ça, le bonnet qui est mieux. Qu'est-ce qu'on fait notre arc maintenant? Je dirais pas non en fait pour faire notre arc en fait.
On est encore en pleine journée, tout ça. Fais voir le poids que c'est 0,30 et 0,20. Bon, bah, ça fait 0,50, quoi. Donc, à la limite, autant avoir l'arc, quoi. Ouais, c'est 5 heures, par contre. J'avoue que c'est long. On va sûrement avoir le mal de l'enfermement dans un moment. Je le sens venir celui-là. On avait dit que les sodas, c'était pas très très important de les garder, on est d'accord. Ça par contre oui, parce que 300 pour 0,10 c'est bien. 250 aussi c'est bien. Par contre ça, je crois pas que ce soit très utile. On peut le manger. Enfin le boire. Ok. Ah oui, pour je sais pas quelle raison, une fois que c'est arrivé à 2 heures, on peut plus choisir de travailler genre seulement 1 heure. Je vois pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Donc ça c'est... Ok, ça c'est bon. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est laisser cet arc-là, parce que je crois que... Fais voir, attends. Vas-y, dis-moi qu'elle équipe d'abord celui qui est abîmé. Non, elle équipe celui-là qui est pas abîmé. Du coup, faudrait que je fasse... Ouais, non, elle va pas changer. Voilà, on va poser celui qui est abîmé. Range-le, merci. Mon Dieu. Voilà. Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Que faire? On arrive en fait à la fin de notre épisode. J'ai pas envie de le faire durer plus que ça. Ça c'est embêtant. Fait froid, froid ou pas? Il fait très bon. Il fait très bon. On va en profiter. On n'a rien déposé, hein, dans la cachette. Ça, on l'avait fouillé. Ok. Alors, on va repasser par le l'avion. Il faut que j'ai des points de repère en fait, parce que sinon je vais me perdre. Et je veux pas me retrouver au milieu de nulle part en fait. On va se péter une jambe, je sens. Et ça fait un peu beaucoup là. Ah, voilà. Alors j'avais prévu d'arrêter l'épisode ici, mais vu qu'il fait extrêmement bon, on va en profiter. Faut que je vois si ça n'a pas été mis à jour là, le problème des cafés. Parce qu'honnêtement, avoir un café là, avec les glands, qu'est-ce que ça aiderait? Ça aiderait énormément. Ça aiderait vraiment beaucoup. Oh, oh, doucement. Je voudrais bien dessiner aussi la map, je vais être franc. Ce serait vraiment sympa. Vraiment utile, mais bon. Alors, ce que je veux faire, c'est qu'on va repasser par le côté gauche, on va descendre. Parce que je sais que il y a potentiellement des caches de survivants là.
Alors, je sais pas précisément où, hein. Je sais aux environs, je sais aux environs. Donc, je veux voir si on y arrive à en trouver une. Mais j'ai peu d'espoir. Hein. Mais au moins, il fait pas très froid pour le moment. Puis on a notre arc qui est de retour à 100%. On a de l'eau, on a des calories. Même si c'est pas parfait, on utilisera des massettes, on utilisera les glands au pire. Si besoin. Commence à faire un peu froid maintenant. Je vais aller par là-bas. Faut descendre vers le lac. Et après on a un pont. Ouais, là il commence à neiger de plus en plus en fait. C'est pas bon signe. Oh putain, il y a un loup. Là, on va prendre ça sur le passage. On a quoi en face? Un cerf. Ok. Le cerf peut nous aider peut-être. On reste concentré, tout va bien. Et là, on est de retour sur une route. Alors, je crois qu'il y en a potentiellement une par là. Je suis plus trop sûr. Faudrait qu'on se débarrasse du loup, honnêtement. À la limite, le mieux, ce serait se débarrasser du loup et de le manger. Je vais être franc. Comme ça, ça nous permet de... pas être à court de nourriture et de pas taper dans les réserves. Bon. Je sais pas exactement si c'est là, mais en tout cas, il n'y a rien. Ah, ok. Il nous a lâché. On a du lapin. Après, c'est peut-être pas là, hein. J'en sais rien. On va continuer à se balader, hein, tant qu'il fait pas froid. On va voir. On continue. Y'a quoi là? Y'a rien. Strictement rien, c'est une cuvette. On pourrait peut-être aller là-haut, je sais pas.
Bon, je vais être franc, là je suis un peu... Là je sais pas vraiment où je vais. Hein. Là, je me balade pour me balader. Oh la putain. Comment tu fais ça? Tu marches à quatre pattes, c'est ça? Tu montes à quatre pattes, c'est ça? Ah là 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 là, je comprendrai jamais quoi. Heureux que j'ai mis les crampons. Hein. Y a pas mal de choses là, je me demande. Y a pas quelques. Genre une habitation ou un truc comme ça. Après, je suis jamais vraiment allé au bord de. Au bord extrême de la vallée charmante. Je sais qu'il y a certaines maisons un peu isolées où on peut trouver des choses, mais. Voilà quoi, j'y suis jamais vraiment allé. Parce que comme j'ai dit, nous, c'est pas, hein, c'est pas comme si on allait trouver des choses. What? Le lapin, il est en acier, quoi. Sérieux. Ah, pourquoi je tire au-dessus, moi? Qu'est-ce que j'ai? Ça fait un moment que j'ai pas... Ouais. Ah, tiens, maison là-bas. Bah, vous voyez, quand je parle du fait qu'il y ait des trucs... des bâtiments isolés, comme ça. On va récupérer le plus de bois possible. On va sûrement arrêter là. Oh, c'est quoi tous ces bois là-bas? Ah, j'avais dit, hein, la neige qui tombe là trop. Je savais bien qu'il y avait un blizzard qui allait arriver. Ok, il y a plein de... Il y a du lapin, il y a du champignon. Il y a plein de bois, c'est ouf quand même. Ah merde, on peut peut-être pas rentrer à l'intérieur, faut qu'on regarde. Là par exemple, c'est un endroit où je suis sûrement jamais venu, hein. Honnêtement, de toutes mes années, je suis jamais venu ici. Ferme des trois frappes, de trois frappes? Non, jamais. Jamais, jamais. Alors. Wow! Ok. Oui, par contre, attends, avant qu'on continue, parce que... Bah tiens, parfait. Ah, ça, c'est 0,10 aussi, c'est 300. Ouais, j'aurais dû le garder, c'est pas grave. Bon, on va tout prendre. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans la maison ou pas? Ouais. On peut pas se mettre à l'abri. Je
Faire un feu là, baril enflammé. Oh, Jerica, j'avais pas vu. Ok. Bon, ça c'est bien. T'es conne ou quoi? On vient de le finir le feu. Voilà. Fait pas assez chaud, sérieux? C'est bon. On est tiré d'affaire. C'est quoi ça? Non, ça... Bon, bah on est tiré d'affaire pour le moment. Alors on a ça. Ça. Ok, alors fais voir un peu. Très bien. 7 minutes, ok, ça va. The guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. Ok. La tempête s'est calmée, on est bon. Prêt dans 2 minutes. Ok. Jamais paniquer. Jamais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, on est tombé dans un repère de sorcière. Non? 24 minutes, j'arrive pas à voir l'autre. 7 minutes. Okay. Faut qu'on fasse le tri de ce qu'on a vu, de ce qu'on a récupéré. Ok. On va devoir s'arrêter là parce que l'épisode est en fait très très long. Je viens de m'apercevoir, on a dépassé les 1 heure là. On va avoir une aurore boréale aussi. Mais en théorie, il n'y a pas de couverture ici, donc c'est ça va pas marcher. Bon, on va devoir s'arrêter là. T'es sérieux là? Déconner quoi. Ah, fait chier. Attends. Ma flèche. Putain. On est trop lourd. Ces livres-là, on s'en fout. Hein. Le feu, on s'en fout. Ça, à la limite, ça peut être intéressant. On va déposer le bois. Faut qu'on se vide un peu les poches, en fait. Est-ce que là, ça peut sécher ou pas? Non, ça peut pas sécher. On va dessiner ça. Okay. 36 minutes. On est très fatigué. On est très fatigué.
Faut bien voir si on peut trouver le loup. À la limite pour récupérer, minimum pour récupérer ma flèche. Mais il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Ouais, je pense que c'est mort. Alors on va dormir, peut-être que je le retrouverai, je sais pas, on verra. Ah, ça m'embête ça. Alors c'est quoi ça? C'est juste des bois à planter? Il y a des lapins, en tout cas, dans le champ, je vois. Ouais. Ça sert à quoi ça exactement? Il y a plein de lapins. 3, 4? Là, c'est pas mal, ça va nous permettre de manger pendant un petit moment. Ils sont où ces cons? Ils ont disparu ou quoi? What? What? Je crois qu'on vient de voir les lapins disparaître parce que c'est une aurore boréale. What? Ah, elle est marrante celle-là, tu vois. Première fois que je vois ça. On est d'accord qu'il vient de disparaître, là. Je suis sûr qu'il y a une grotte, là-bas. Vu la gueule de la pierre et tout ça, je suis sûr qu'il y a une grotte. Je vais essayer de récupérer quelques bois. Faut qu'on s'arrête là, de toute façon. Faut qu'on dorme et tout ça, qu'on se repose. Je vais essayer de faire tenir le feu le plus possible. Mais après, je vais être honnête, je sais pas... quoi faire. Est-ce qu'on fait encore un épisode ici où je me balade? À la limite, peut-être qu'on peut faire ça. Et après, on partira. Parce que dans un sens, c'est vrai que, bah oui, on se balade et on visite la vallée charmante un peu plus profondément, mais bon. Putain, il fait pas froid, hein. C'est bien. Oh, je suis en train de faire cuire un truc, moi. Oh, putain, quel con. Oh, c'est mort. Ouh, fou, 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 fou. Ah, on va devoir s'arrêter. On va devoir dormir. What? Ah là, ok. Ça marche. Vas-y, ramène-toi. Vous entendez le son qu'il fait? Vous entendez le son qu'il fait? On dirait des démons. Alors attendez. Cuit, ok. Quarante-huit minutes. Ah.
C'est pour éviter qu'on tombe dans les pommes. Enfin, on tombe dans les pommes. Honnêtement, on peut pas. Enfin, on peut. On peut pas. Si, on peut. Mais ça va. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais ça permet d'économiser le feu aussi, de passer une heure comme ça à chaque fois. Faut que je boive et que je mange. Voilà, nickel, on est bon. On est pas mal. Voilà, là c'est pas mal. On pourrait faire des petites flèches, vite fait. Je sais plus exactement combien de bâtons il faut. Ça c'est quoi, c'est des pierres? Bon, on a toujours une flèche qui se balade. Hein. Alors, fabrication. Il nous faut 5 bâtons. C'est combien? 22 minutes, ah ben putain. Okay, très bien. On est à 5 heures. De feu. Voilà, très bien. On va tout mettre, comme ça on va pouvoir dormir le plus possible. Voilà, on va s'arrêter là. Je vais voir. Attendez, je vais mettre pause. Je vais mettre pause. Ok, je vais mettre pause. Juste, j'explique ce qu'on va faire. Parce que sinon, on va dormir et après, je vais devoir, attendre et tout ça. Enfin bref, on finit l'épisode maintenant. Donc, je vais voir. Peut-être qu'on va encore faire le tour de la Vallée Charmante, je dirais. Ça peut être plus ou moins intéressant. On a encore, on va dire, une grande partie qu'on peut continuer l'ouest, au sud-ouest, et après sud. Et après, ce qu'on peut faire, c'est remonter vers la tour, tout simplement. Remonter vers la tour, et on finira notre épisode à la tour, ou alors on rentre au lac mystère et tout ça, peut-être. Peut-être qu'on peut faire un épisode comme ça. Parce que là, en fait, on a plus ou moins fait tout le tour, honnêtement, on a fait tout le tour depuis le village. On a passé par l'est, on est monté au nord, où il y a le carambolage des voitures, le Mont Timberwolf et tout ça. Après, on a continué vers l'ouest, et maintenant, on est à l'ouest, du coup. Donc, on peut continuer, et après, on fait sud, et après, on repart. On peut faire ça le prochain épisode. Voilà, comme ça m'évitera de couper et tout ça. Et ça fera notre petite aventure, on va dire. Sur la Vallée Charmante. Je pense qu'on peut faire ça, ça peut être cool. Et après, bah, du coup, on va sûrement devoir rentrer parce qu'il y a... Il n'y a pas de batterie. Voilà. Il n'y a pas de batterie ici, il faut s'avouer, il faut le dire. Nous, on est plutôt vers là, je crois. Non, on est là, pardon. On est là. Donc voilà, le prochain épisode, on fera ça. Et après on repart, enfin on se remonte vers la colline et on repart à la grotte et tout ça. Voilà, ce sera notre aventure. Ce sera comme ça. En tout cas, on va dormir, je vais dormir 7 heures, je pense que ce sera bon. Le feu sera encore là. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Je sais pas pourquoi je mens ça, parce qu'on a du loup par terre. C'est complètement con. Voilà. Je vois pas pourquoi je fais ça. Allez, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. 7 heures.